Alors, comment voyage le son? Que se passe-t-il quand un son traverse l'air, l'eau ou même un mur de béton? Pourquoi certains sons résonnent, d'autres s'étouffent et d'autres encore changent de direction? Dans cette vidéo, eh bien, nous allons découvrir comment les ondes sonores voyagent à travers différents milieux et ce qui influence leur parcours. Alors, imaginez le son comme un facteur qui transporte une lettre d'une maison à l'autre. Le rôle du facteur, eh bien, c'est de délivrer le message d'un endroit à l'autre. Les habitants, eux, ne bougent pas avec le facteur. Ils reçoivent le message, lisent la lettre et peuvent bouger légèrement en la prenant, mais ils restent bien chez eux. Ces petits mouvements des habitants, eh bien, représentent ce qu'on appelle la vitesse particulière. La vitesse du son et la vitesse particulière sont souvent confondues, mais elles décrivent en fait deux choses très différentes. Et donc la vitesse du son, eh bien, c'est la vitesse à laquelle l'onde sonore se déplace à travers le milieu, que ce soit l'air, l'eau ou un solide. Alors cette vitesse de propagation du son dans un matériau va dépendre de deux propriétés principales. La masse volumique, ρ. Plus un matériau est dense, bien, plus il contient de masse par unité de volume. Et cette densité élevée impose une résistance supplémentaire au déplacement des particules, ce qui tend à ralentir la propagation des vibrations sonores. Et vous avez aussi la rigidité. Dans un solide, la rigidité est représentée par le module d'élasticité grand E, qui mesure la force des liaisons entre les atomes. Les métaux, par exemple, avec leurs liaisons très fortes, permettent, eh bien, une propagation rapide des vibrations. Alors, dans un fluide, liquide ou gaz, on utilise plutôt la compressibilité, kappa, pour mesurer la rigidité effective du milieu. La compressibilité, ben, c'est l'inverse du module de rigidité volumique du fluide. Alors, le vide, c'est un cas extrême où il n'existe aucune structure atomique ou moléculaire pour transmettre une vibration. Et donc, dans le vide, eh bien, le module de rigidité est nul, c'est-à-dire kappa tend vers l'infini. Ça rend impossible la propagation des ondes sonores. En revanche, bah, les ondes électromagnétiques, comme la lumière, ne nécessitent pas de support matériel et donc continuent à se propager dans le vide. Donc, vous voyez que cette distinction est essentielle pour comprendre pourquoi, dans l'espace, aucun son ne peut être entendu, tandis que la lumière et d'autres ondes électromagnétiques voyagent librement. Alors, comparons maintenant la propagation du son dans différents milieux. Prenons d'abord l'air. Ici, le son avance tranquillement à une vitesse modérée d'environ 340 mètres par seconde. C'est parce que l'air, avec sa faible rigidité et sa faible densité, n'offre pas les meilleures conditions pour accélérer les vibrations. Passons à l'eau. Ben là, c'est déjà beaucoup plus vite, environ 1483 mètres par seconde. Pourquoi? Ben parce que l'eau est bien plus rigide que l'air, même si elle reste relativement légère. Ensuite, le bois. Alors là, surprenant. La vitesse reste impressionnante avec environ 1350 mètres par seconde. Donc le bois est plus rigide que l'eau, ce qui équilibre un peu la vitesse. Et enfin, le champion de la course, ben c'est le métal, avec une rigidité incroyable. C'est ça qui permet au son de filer à une vitesse phénoménale de plus de 5000 mètres par seconde. Et ça, malgré sa densité élevée. Donc vous avez compris, plus un matériau est rigide et léger, et bien plus le son s'y propage vite. C'est pour ça que les solides comme les métaux sont les meilleurs conducteurs pour transmettre des vibrations sonores loin devant les gaz comme l'air. Alors la vitesse particulière, quant à elle, est différente. Elle représente la vitesse à laquelle les molécules du matériau oscillent sous l'effet de l'onde sonore. Alors imaginez des molécules qui se poussent et tirent au rythme avec le passage de l'onde. Elles vont vibrer autour de leur position d'équilibre. Et ça crée ce que nous percevons comme du son. Cette vitesse dépend de l'intensité du son. On dit aussi de la pression acoustique. Et pour relier cette pression acoustique P à la vitesse particulière qu'on appelle U, on utilise l'impédance acoustique. Donc l'impédance acoustique, on la note Z. P égale ZU. Cette relation rappelle la loi d'Ohm en électricité, où la variation de pression acoustique P joue le rôle de la tension et la vitesse particulière petit u, celui de l'intensité du courant. Donc dans cette analogie, l'impédance acoustique Z, eh bien, elle agit
comme une sorte de résistance au mouvement des molécules. Alors, l'impédance acoustique d'un matériau est aussi définie par le produit de sa densité rho et de, la vitesse du son V, Z égale rho V. Ça signifie que l'impédance acoustique dépend de la densité et de la vitesse du son dans le milieu. Par exemple, dans l'air, l'impédance va être faible, tandis qu'elle sera très élevée dans un métal, car le métal est plus dense et plus rigide. Alors, grâce à cette relation, on peut estimer la vitesse particulière pour différents niveaux de pression sonore. Prenons par exemple chuchotement d'environ 20 décibels, les variations de pression sont de l'ordre de 0,02 pascal, 20 millipascal. Pour un son intense, comme un klaxon d'une voiture, ça monte à 110 décibels et donc la variation de pression va atteindre 20 pascal. Donc dans l'air, même pour un son intense, la vitesse particulière reste limitée. Elle ne dépasse pas 5 cm par seconde. C'est bien inférieur à la vitesse du son, vous rappelez, de 340 mètres par seconde. Donc dans un métal, pour la même pression sonore, la vitesse particulière serait encore plus faible, de l'ordre du micromètre par seconde, car le métal oppose une impédance bien plus élevée. Donc en résumé, même si le son se propage rapidement, les molécules du matériau oscillent localement à une vitesse bien inférieure à celui de l'onde elle-même. Cette différence entre vitesse du son et vitesse particulière est essentielle pour comprendre comment le son voyage à travers différents matériaux. Alors maintenant, regardons lorsque le son passe d'un milieu à l'autre, comme par exemple entre l'interface entre l'air et l'eau. Ce son ne continue pas simplement son chemin. Le comportement du son à cette interface va dépendre de l'impédance acoustique des deux milieux. L'impédance acoustique, ça joue un petit peu le rôle en acoustique, similaire à celui de l'indice optique en optique. Quand une onde sonore frappe une interface entre deux milieux d'impédance différentes, elle subit généralement deux effets. La réflexion, c'est-à-dire qu'une partie de l'onde sonore est renvoyée en arrière sous forme d'écho. Plus la différence d'impédance entre les deux milieux est grande, plus l'écho est puissant. Par exemple, si vous criez face à une falaise, la grande différence d'impédance entre l'air et la roche fait que presque tout le son est réfléchi. Et ça produit un écho fort. Donc on définit un coefficient de réflexion, on l'appelle grand R, et il va nous indiquer la proportion d'énergie sonore réfléchie. Donc vous voyez qu'il se calcule par la formule que je vous donne. Ici c'est Z1, c'est l'impédance acoustique du premier milieu, on avait dit l'air, et Z2, celle du second milieu. Et donc ce coefficient grand R, vous voyez qu'il peut varier entre 0 et 1. R égale 1, ça signifiera qu'on est en réflexion totale, l'onde est entièrement renvoyée. Et si vous avez R égale 0, ça signifie qu'il n'y a aucune réflexion, c'est-à-dire que les impédances sont identiques et donc toute l'énergie est transmise. Alors, lorsqu'une onde sonore rencontre une interface entre deux milieux d'impédance acoustique très différentes, comme l'air et un mur de béton, elle subit aussi un changement de phase en plus d'être réfléchie ou transmise. Dès que l'onde frappe un milieu dont l'impédance est supérieure à celle du premier, elle subit une inversion nette de 180 degrés, c'est-à-dire qu'une crête devient un creux et inversement. Ce phénomène est un effet binaire ou du tout ou rien. Ça, c'est assez unique en physique. Alors, cette inversion de phase crée également une asymétrie intéressante. Une onde sonore qui passe d'un milieu de faible impédance à un milieu de forte impédance s'inverse à la réflexion. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Lorsqu'une onde passe d'un milieu de forte impédance à un milieu de faible impédance, il n'y a pas de changement de phase. Dans l'isolation acoustique, le changement de phase de l'onde sonore réfléchie joue un rôle clé. Lorsqu'une onde sonore frappe une surface dense et rigide, comme un mur de béton, elle est en grande partie réfléchie avec une inversion de phase. Cette inversion signifie que l'onde réfléchie tend à annuler partiellement l'onde incidente, car les ondes directes et réfléchies peuvent interférer de manière destructrice. Alors un autre exemple, c'est l'échographie. L'inversion de phase
L'or de la réflexion est utilisé pour détecter les interfaces entre tissus. Par exemple, les tissus d'impédance élevée comme les os renvoient les ondes avec une inversion de phase, ce qui permet de les distinguer des tissus mous. Enfin, dans les espaces extérieurs, comme face à une montagne par exemple, l'écho que l'on entend est souvent influencé par l'inversion de phase. Lorsque le son frappe une paroi rocheuse, qui a une impédance bien plus élevée que l'air, eh bien une grande partie de l'onde est réfléchie avec inversion de phase. Cette inversion modifie subtilement la perception de l'écho, s'ajoute une sensation de rebond ou de profondeur supplémentaire. Le son semble se doubler ou se prolonger légèrement après réflexion. Alors regardons maintenant l'autre partie de l'onde sonore qui continue dans le second milieu. On dit qu'elle est que l'onde est réfractée. Alors, on calcule de même un coefficient de transmission grand T qui va indiquer la fraction de l'énergie sonore qui est transmise dans le second milieu. Alors, R plus T égale 1, ici, ça signifie que toute l'énergie de l'onde incidente est soit réfléchie, soit transmise. Alors, l'onde va changer de vitesse, de longueur d'onde et aussi de direction. Ce phénomène est similaire à la réfraction de la lumière. En passant de l'air à l'eau, par exemple, le son se déplace plus vite dans l'eau, car celle-ci est plus dense et rigide. Eh bien, comme en optique, on peut se servir de la loi de Snell-Descartes en acoustique pour décrire le changement de direction de l'onde lors de la transmission d'un milieu à l'autre. Ici, θ1, c'est l'angle d'incidence dans le premier milieu, et θ2, c'est l'angle de transmission dans le second milieu. Et plus la différence d'impédance est grande, et bien plus l'angle de transmission est dévié. Alors enfin, une onde peut subir aussi ce qu'on appelle l'absorption d'un matériau. L'absorption acoustique, et bien elle se produit lorsqu'une partie de l'énergie d'une onde sonore, elle est dissipée en chaleur ou en vibration interne au sein du matériau. Et ce processus d'absorption a plusieurs effets sur l'amplitude, mais aussi sur la phase de l'onde. C'est-à-dire qu'à mesure que l'onde sonore pénètre dans le matériau, l'amplitude de l'onde, elle va s'atténuer à mesure qu'elle perd de l'énergie. Et l'onde peut subir alors un décalage de phase, mais cette fois progressif. Et une partie de l'onde, parce qu'une partie de l'onde est retardée par des interactions microscopiques. Ça peut être des pertes de friction, des relaxations moléculaires. Mais c'est pas tout, parce que ce décalage de phase peut aussi être à l'origine d'interférences, et ça peut encore amplifier l'intensité globale de l'onde transmise ou réfléchie. Ça, c'est par exemple les mousses acoustiques. Ça exploite cette relation entre absorbance et phase pour atténuer les ondes sonores. À l'intérieur de la mousse, eh bien, l'onde sonore est progressivement absorbée et son amplitude diminue tout en subissant un décalage de phase. Regardons maintenant comment le son va se propager dans les milieux naturels. Eh bien, il va se propager de la même manière avec de la réflexion, de l'absorption, de la transmission. Si on se met dans une forêt dense, eh bien, les troncs, les feuilles, les sols mous vont absorber et disperser les sons. Alors, quel va être le résultat? Eh bien, ça va être une atténuation rapide et un son étouffé, difficile à localiser. Si vous imaginez un cri d'un oiseau, par exemple, ce cri va être vite absorbé par la végétation et va être perdu dans une multitude de réflexions parasites. Alors, sur une plaine dégagée, le son, à l'inverse, va se propager, va voyager loin et rester clair. Sans obstacle, il se déplace en ligne droite, mais les réflexions sur le sol peuvent créer des échos. Par exemple, un berger peut appeler ses moutons à grande distance, sa voix va rester forte et audible. Et maintenant dans l'eau, eh bien le son il va filer à 1500 mètres par seconde, c'est 4 fois plus vite que dans l'air. Et donc les basses fréquences vont parcourir des milliers de kilomètres avec peu de perte d'énergie. C'est ainsi que les baleines communiquent à travers les océans. Voilà, nous avons vu comment les propriétés acoustiques varient selon les milieux. La réflexion, l'absorption, la transmission des ondes, c'est ce qui influence tout ce qui se passe autour de nous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.